Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans le grand format de ce dimanche 20 février 2022, à du Bénin d'hier et d'aujourd'hui, de la restitution à la révélation. C'est le thème de l'exposition des trésors royaux du Bénin au palais de la Marina. L'événement a démarré depuis hier samedi et va se poursuivre jusqu'au 22 mai prochain, trois mois pour permettre au public de découvrir ces trésors donc, et de contempler par la même occasion des œuvres d'artistes contemporains qui racontent l'histoire du Bénin dans ce grand format. Nous allons mieux apprécier la portée donc, de l'événement, de cet événement historique et son impact, bien évidemment, sur donc, le secteur du tourisme au Bénin. L'invité avec qui on en parlera a pour nom Joël Akalogun. Il est docteur en tourisme. Le président Patrice Talon et l'ancien Premier ministre Lionel Zissou à bord d'un même avion avec pour destination Cotonou. L'information occupe les réseaux sociaux depuis vendredi, deux ans déjà que le candidat malheureux à l'élection présidentielle de 2016 n'est pas rentré au Bécaï. Donc Lionel Zissou qui a été condamné en appel à 4 ans d'inéligibilité et 5 millions d'amendes pour dépassement des frais de campagne. Patrice Talon et Lionel Zissou ont-ils toujours gardé de bonnes relations? Ou c'est plutôt la paix des braves? C'est l'un des sujets d'actualité retenus pour le décryptage avec l'invité média. Il s'agit de Stéphane Akhinoukhossou, rédacteur en chef du quotidien L'Autre Vision. Fatih est l'artiste de la semaine ici sur le plateau du grand format. Elle qui a réellement démarré son aventure musicale depuis une vingtaine d'années. Son histoire, sa passion, ses succès à découvrir aux environs de 14h ici même. Mesdames et messieurs, le rendez-vous, vous le connaissez, c'est tous les dimanches, le grand format, si vous êtes prêts, eh bien c'est parti. À la une de l'actualité au Bénin, c'est parti pour trois mois de découverte. L'exposition des trésors royaux du Bénin a démarré. La première exposition a été faite ce samedi et plusieurs dizaines de personnes ont réussi donc à visiter ces œuvres. On en parle dans un instant. On parlera également du lancement officiel du concours de recrutement de 77 secrétaires exécutifs au profit des mairies. 1005 candidats planchent sur l'ensemble du territoire national. Le ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale a donné le top ce samedi. Images et reportages à suivre. À suivre également ce reportage que vous propose la rédaction de Canal 3 Bénin dans un contexte de fierté de la vie. Conducteurs de taxi moto et taxi interurbain montent les tarifs, conséquence directe de la hausse du prix de l'essence frelatée en vente aux abords des voies. Le point de l'actualité, premier chapitre du grand format. Nous démarrons par cette information et direction palais de la Marina. Conformément au chronogramme établi par le gouvernement, l'exposition des trésors royaux du Bénin a effectivement démarré ce samedi. Le premier rendez-vous a été honoré et plusieurs dizaines de personnes ont réussi donc à visiter ces œuvres. À côté de ces objets, des œuvres donc d'artistes contemporains ont été également exposées. Les précisions sont avec Nassis Alosser. L'attente aura duré trois mois seulement et le public béninois découvre déjà les trésors royaux d'Abomey ramenés de la France le 10 novembre dernier. Par dizaines, des amateurs d'art et bien d'autres curieux ont afflué vers les salles d'exposition implantées ici dans l'enceinte du palais de la présidence pour contempler ces trésors. C'est une première au Bénin. La présidence de la République est à notre sens l'un des rares lieux qui réunit et rassemble tous les Béninois. Le choix de ce lieu est dès lors porteur d'un signal, d'un appel au ralliement de toutes les forces de la nation autour de la commémoration de ces œuvres revenues de leur périple et désormais partie intégrante du patrimoine national. Le patrimoine national dont la galerie est enrichie de ces œuvres qui sont des butins de guerre déportés dans l'Hexagone le siècle dernier après la chute des souverains de Dan Romain. Exposés ici pour l'acclimatation après 130 ans de séjour en France, ces œuvres sont porteuses de plusieurs mémoires. Mémoire d'un héros national, Béhanzin, dont la chute a été suivie d'un pillage systématique de trésors royaux. Mémoire de deux grands souverains dont les trônes ont été emportés, Glélé et son père Guézo. Mémoire des artistes restés dans l'ombre, mais ayant donné forme et vie aux œuvres pillées. Mémoire d'un séjour forcé en France. Séjour dont les souvenirs sont désormais lointains. Et sur place ici, des experts, médiateurs et historiens pour la plupart, ont été déployés pour expliquer au public
toute l'intelligence qui les accompagne. Mais si vous savez regarder, si vous, vous savez vivre les événements, je pense que c'est un événement très, très, très émouvant. C'est une bonne chose parce que aujourd'hui, nos petits-enfants verront l'histoire. Ils vont toucher des yeux l'histoire. Ce sont nos valeurs endogènes qui étaient parties pour des raisons que vous savez et qui sont revenues. Alors, je dis à ces valeurs endogènes qui sont revenues, bienvenue. Parce que je me sens plus fort, nous devons nous sentir beaucoup plus forts. Et je crois qu'au-delà même du Bénin, c'est toute l'Afrique qui est honorée. À côté de ces trésors royaux, 106 œuvres contemporaines sélectionnées dans la Galerie nationale d'art sont aussi exposées ici. La palette est sans doute large, mais il fallait réunir les artistes les plus créatifs à travers leurs œuvres les plus emblématiques. Avec ce travail, nous redécouvrons que nos créateurs très inspirés s'expriment de différentes manières, utilisent tous les matériaux qui sont à la fois d'ici et d'ailleurs. À travers cette exposition, le gouvernement offre ainsi l'opportunité au public d'apprécier les talents variés et multiformes des artistes, qu'ils soient contemporains ou plus anciens. Et le thème de l'exposition en dit d'ailleurs long. Dans l'actualité également, au lendemain de la publication de la liste des candidats présélectionnés pour le fichier national des principales fonctions administratives et techniques des communes du Bénin, les membres de la commission nationale de mise en œuvre de la réforme structurelle de la décentralisation ont tenu vendredi un point de presse au sujet de certaines observations. Le président de la commission a fait cas des fraudes constatées lors des inscriptions, des fraudes qui concernent notamment des fonctionnaires qui ont inscrit de fausses informations pour être pré-sélectionné. On va écouter Claude Olympio au micro de Ali Moumouni. À la publication de la liste, nous avons quelques retours sur un aspect que nous-mêmes nous présentions à l'examen de certains dossiers. Vous savez, dans le cadre de la réforme, et pour permettre que la première équipe de gouvernance qui va être mise en place dans les communes, dans le cadre de la réforme, pour permettre que cette équipe soit renforcée, la loi a prévu la possibilité que des fonctionnaires, c'est-à-dire les hauts fonctionnaires de l'État, de l'administration publique, qui sont de la catégorie A1, puissent être admis à la candidature pour le fichier. Alors, ce qu'on a observé à partir des retours que nous avons depuis hier, c'est que certains fonctionnaires qui ne sont pas de la catégorie A, qui sont de la catégorie B, par exemple, ou qui sont du grade A3, puisque la plateforme ne leur permet pas d'entrer leur candidature parce qu'ils ne sont pas de cette catégorie, ils choisissent délibérément d'indiquer qu'ils sont du secteur privé. Parce qu'il n'y a pas de limitation à ce niveau. Donc, ils choisissent cette possibilité sur la plateforme et produisent des diplômes derrière pour soumettre leur candidature. Et donc, quand à l'examen de dossier, puisqu'on ne gère pas du papier, tout se fait informatiquement, à l'examen du dossier, la commission avait déjà quelques appréhensions en regardant certains parcours qui paraissaient un peu bizarres. Alors, le sentiment que ça a commencé à laisser à certains de nos concitoyens, c'est de considérer qu'il a été choisi de favoriser certains fonctionnaires pour lesquels, donc, on a admis la candidature. Il n'en est rien. Et je veux souligner ça avec force. Si certains fonctionnaires qui ne sont pas de la catégorie A1 se sont retrouvés sur la liste, c'est simplement par cette fraude que je venais d'indiquer. Donc, je voudrais déjà exhorter ces fonctionnaires à s'abstenir dès maintenant. S'ils savent qu'ils ne remplissent pas les conditions prévues par la loi et qu'ils ont commis cette fraude, mais s'ils ne le font pas, ils seront identifiés et seront traités comme il faut. Parce que nous mettons un point d'honneur, et le chef de l'État y tient, que ce processus soit intègre. Et que les équipes dirigeantes qui vont sortir après la mise en place de ce fichier soient hors de tout doute.
Et ça, nous n'allons pas faillir à ça. Et c'est pour ça que nous voulons faire cette précision assez rapidement pour que les fonctionnaires qui se sont amusés à ce jeu prennent leurs responsabilités. Je vous remercie. Je l'ai annoncé il y a quelques minutes, le concours de vent aboutit à la sélection des 77 secrétaires exécutifs au profit des mairies et officiellement lancé ce samedi. Au total, 1005 candidats planchent pour le compte donc, de ce concours. Les compositions se déroulent au lycée Koulibaly de Cotonou. Raphaël Akotayon, ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale, a donné le top. Reportage Teddy Goudalo. Ils ont tous répondu présents pour subir les premières épreuves écrites du concours devant aboutir à la sélection des 77 secrétaires exécutifs au profit des mairies. Et c'est le ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale qui vient lui-même donner le top. C'est un cabinet professionnel qui a, disons, sélectionné, qui a, disons, identifié les épreuves. Vous savez qu'il y a 7 fonctions que nous voulons, disons, sélectionner et mettre à disposition des élus. Et c'est le cabinet qui a piloté ça de bout en bout, sous l'œil vigilant de la commission qui regorge des représentants de chaque partie prenante. À la présélection, on a retenu les candidats sur la base de l'analyse de leur dossier. Alors, ce sont ces candidats qui ont été présélectionnés qui sont dans ce centre aujourd'hui, le lycée Koulibaly de Cotonou, pour subir les épreuves. Alors, dans cette journée, nous avons 2 épreuves qui vont se dérouler, à savoir un test psychotechnique pour tous les candidats, quel que soit le poste. 1002 candidats étaient attendus pour prendre part à cette deuxième phase du processus de sélection. Puis, suite a été donnée aux réclamations de candidats dont les dossiers avaient été rejetés, ce qui porte l'effectif à l'arrivée à 1005. Un dynamisme du comité d'organisation salué ici par ces derniers. Je ne connais personne et je n'ai pas eu le contact de quelqu'un. Ça a été fait en ligne. La personne ne me connaît pas. Et ce matin, on a vu nos noms sur les listes. On a composé comme si c'était sorti il y a longtemps, quoi. C'est vrai, dans le passé, ça ne serait pas comme ça. Il faut venir attendre et que c'est ici ce matin, on va voir bon ceux qui ont fait réclamation. Ça prend beaucoup de temps, mais ça a été automatique. Une fois que je n'avais pas vu mon nom sur le fichier, tout portait à croire que c'est un peu bon, orienté, puis téléguidé, parce que je suis très confiant des expériences que nous avons accumulées toutes ces 10 dernières années en matière de décentralisation au Bénin. Il y a un message, un mail qui m'est parvenu pour s'excuser. Donc le comité s'est excusé par rapport aux désagréments que j'ai reçus et ils m'ont invité à venir faire le test, ce qui est très très bien. Donc c'est pour dire une fois encore que franchement ça montre que ce comité est crédible et on doit aussi l'encourager pour que les résultats au finish, que ceux-là qui ont effectivement du mérite, ils puissent se retrouver à la tête de nos communes en République du Bénin. Pas d'inquiétude donc en ce qui concerne la crédibilité des membres qui composent le comité d'organisation du concours. Les 77 secrétaires exécutifs qui seront sélectionnés vont être déployés dans les mairies au plus tard le 1er avril prochain. Éducation à présent, 50 inspecteurs de l'enseignement de second degré de la promotion 2019-2021 sont donc en fin de formation avant de prendre fonction. Une cérémonie a été organisée vendredi pour consacrer leur sortie officielle à l'occasion. Ils ont reçu leur diplôme de fin de formation des mains du ministre des enseignements, donc de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle. On va retrouver Teddy Goudalo. Il a fallu 2 années de formation pour ces inspecteurs de l'enseignement du second degré, pour décrocher leur diplôme des mains de leur ministre de tutelle. Au nombre de 50, ils représentent la 6e promotion que met à disposition l'école de formation des personnels d'encadrement de l'éducation nationale. Les activités académiques déroulées sont faites essentiellement de cours en tronc commun qu'en spécialité, de stages pratiques au Bénin, à Clermont-Ferrand en France, à Bruxelles en Belgique et au Burundi. L'évaluation des performances
s'est faite au moyen de productions originales, issues de travaux de recherche, de compositions sur table, de rapports de stage, de conduite d'activités pratiques en milieu professionnel et de soutenance de mémoire de fin de formation. La formation de la cohorte spéciale de 50 nouveaux inspecteurs de l'enseignement du second degré, dont 41 de l'enseignement secondaire général et 9 de l'enseignement technique et de la formation professionnelle que nous célébrons ce matin, a particulièrement connu des innovations osées. C'est un parcours de combattant pour ces désormais inspecteurs pédagogiques qui sont aptes à servir partout où besoin sera. Leur formation a été possible grâce à l'accompagnement financier de l'Agence française de développement qui salue ici leur courage. Je voudrais adresser mes plus sincères félicitations aux nouveaux inspecteurs. Votre charge est redoutable et je forme les vœux que la formation qui vous a été donnée vous y a bien préparé. Vous aurez à contribuer à renforcer la qualité des dispositifs d'enseignement. Chers récipiendaires, je vous présente toutes mes félicitations pour votre brillant succès à toutes les épreuves que vous avez dû affronter pour en être là aujourd'hui. Je vous souhaite également et solennellement la bienvenue dans votre nouveau corps. J'ose croire que vous mesurez la portée de cette noble mission et les nombreuses attentes de tous les acteurs de notre système éducatif à votre endroit. Ces 50 nouveaux inspecteurs de l'enseignement du second degré viennent donc rehausser l'effectif dont dispose le service de l'inspection générale du ministère. Cette cérémonie consacre leur opérationnalisation pour de nouveaux défis. Une autre cérémonie pour l'opérationnalisation du projet H Formation. Les bénéficiaires ont reçu leurs attestations de fin de formation mercredi dernier, une formation dédiée aux artisans béninois qui vise à renforcer leurs capacités et faire valoir leur métier après 8 mois d'encadrement et sont désormais aptes donc sur le plan professionnel. Ces bénéficiaires du projet H Formation sont plus d'une centaine. 161 artisans reçoivent leur attestation de fin de formation grâce au projet Assurance pour le renforcement du capital humain. C'est une initiative du ministère des Affaires sociales et de la microfinance en partenariat avec le PNUD. Le ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l'Emploi n'est pas resté en marge. La notion de capital humain rassemble à la fois les savoirs, savoir-faire, savoir-être, et plus loin, les connaissances, les qualifications et les caractéristiques personnelles. Une première idée est de vous constituer en réseau, maintenir le contact avec les experts qui vous ont partagé leur expérience et connaissances et surtout être assoiffé d'amélioration continue. Je suis donc heureuse de la tenue de la présente cérémonie qui intervient au moment où nous sommes en pleine phase d'extension du projet du volet assurance maladie dans les communes du Bénin. C'est dire que le projet Arche, si cher au gouvernement, se concrétise de jour en jour pour le grand bonheur de l'ensemble des couches socio-professionnelles. Les bénéficiaires expriment leur profonde joie pour la réussite de ce projet. Ces jeunes venus de divers horizons ont été mis à niveau en notions pratiques et théoriques dans plusieurs corps de métier. Il s'agit du carrelage, de l'électricité bâtiment, plomberie, peinture bâtiment et de l'étanchéité. Nous allons mieux exercer nos métiers et augmenter nos revenus. Nous voulons également demander que les artisans qui n'ont pas encore été formés soient programmés le plus rapidement possible. Et pour finir, je voudrais remercier les experts formateurs qui nous ont transmis de nouvelles techniques et compétences pour l'exercice de nos métiers. Nous n'oublions pas les conseils de H Formation et toute l'équipe de la direction H Formation qui ont rendu possible cette formation. En juin 2021, à Lokosa, qu'il vous souvienne, parmi les artisans qui ont bénéficié d'un perfectionnement, nous pouvons dénombrer 35 artisans prestataires, chefs d'équipe, sur
le chantier de la cité de Wedo. L'exécution de ce projet s'inscrit dans la vision du gouvernement qui œuvre à la réduction du taux de pauvreté. Un concours s'annonce bientôt dans le rang des récipiendaires et permettra de sélectionner 80 artisans au profit de la Chambre de métiers de l'artisanat. Retour maintenant sur cette information que vous suivez depuis vendredi. Les travailleurs syndicats affiliés à la Confédération des syndicats du Bénin étaient en meeting à la Bourse du Travail à Cotonou. Principal motif, la cherté de la vie aux côtés de la CCA Bénin. Quelques centrales et confédérations syndicales ont invité le gouvernement à prendre des mesures qui s'imposent pour soulager la population. Le reportage est signé Herman Parfait à Niambosu. Elvis Tonoukouin. La Bourse du Travail de Cotonou reprend vie et l'allure des moments de haute lutte syndicale pour la satisfaction des revendications des travailleurs. C'est un signal que nous envoyons au gouvernement du président Talon. Ce vendredi 18 février 2022, des travailleurs des syndicats affiliés à la CSA Bénin, la COSI Bénin, la CGTB, l'UNSTB, la CSUB et la CSPIB, toutes catégories confondues, se sont retrouvés pour crier leur ras-le-bol face à ce qu'il convient d'appeler la cherté inexpliquée de la vie au Bénin. La vie n'a jamais été aussi chère au Bénin. Aujourd'hui, la mesure de petits poissons au marché est passée en 2 ans à 15 000 francs. L'huile importée est passée de 500 francs le litre à 1 200 francs sur la même période. Le gari continue de nous narguer à 300 francs après avoir atteint 500 francs en 2021. Les licenciements sont massifs. Les ménages voient leur pouvoir d'achat érodé. Les taxes et les impôts se multiplient à foison en lieu et place d'une politique de production. Nous assistons à une politique de fiscalité sauvage. C'est pour dire au président de la République que véritablement ça ne va pas. Parce que lorsqu'on est au pouvoir, parfois, on n'entend pas la réalité des choses. Il y a des conseillers, il y a des ministres qui disent « Tout va bien, monsieur le président. » C'est quelques-uns qui crient seulement. Mais quand le président va constater que vous vous êtes rassemblés de cette manière ce matin, il comprendra que, attention, ça ne va pas. La réalité est bien là, tangible. Les prix ne font que grimper dans les marchés. Les mesures annoncées par le gouvernement pour contenir la flambée des prix des produits de première nécessité ne rassurent nullement les travailleurs. Nous ne pouvons plus vivre comme ça. Nous sommes venus exprimer notre ras-le-bol. Nous sommes fatigués. Nos salaires ne sont plus des salaires. C'est des salaires. Des mesures urgentes s'imposent à côté de la revalorisation des salaires annoncés par le gouvernement Talon afin d'arrêter la saignée. Une vive protestation contre la cherté de la vie déplore le mutisme du gouvernement face aux difficultés sociales et économiques des citoyens. Dénonce le refus de l'exécutif de faire un dialogue franc et sincère avec les forces sociales en vue de prendre en compte les aspirations profondes des populations affectés par un mal-être endémique. Les 6 centrales et confédérations syndicales signataires de la motion rendue publique tiennent pour responsable l'exécutif en cas de mutisme face aux réalités quotidiennes du monde du travail et des populations béninoises. Le prix du maïs, excessivement salé, excessivement cher. Le prix de l'huile, dernier sujet, avant d'ouvrir la page, donc invité, la manifestation de la cherté de la vie dont on parlait à l'instant avec les syndicalistes est déjà perceptible dans le secteur des transports. Ces derniers jours à Cotonou et à Bumekalavi, conducteurs de taxis moto et taxis interurbains ont donc augmenté donc, les tarifs, décision justifiée par la hausse du prix de l'essence frelatée aux abords des voies, ce qui constitue un véritable casse-tête pour les clients. Reportage. Tout comme ce conducteur de taxi moto, ils sont nombreux, ces usagers, à ignorer les causes de la hausse du prix de l'essence frelatée, communément appelée essence paillot. La cherté des produits de première nécessité, constatée par ça et là dans les villes du Bénin,
touche aussi le secteur de l'essence de contrebande. De 350 francs, le prix de l'essence passe désormais à 550 voire 600 francs le litre par endroit. La hausse du prix de l'essence ne nous arrange pas du tout. Les clients ne nous comprennent pas et exigent toujours les tarifs habituels malgré le coût du carburant qui a changé. Vraiment, ça nous dépasse. Si le gouvernement peut jeter un coup d'œil sur les vendeurs de carburant, ça serait un peu abordable à nous. Difficilement, tu arrives à gagner ton père dans la journée et tu prends 500 déjà et tu mets dans la carburation alors que ce n'est pas un seul litre que tu vas utiliser. L'augmentation à hauteur de 600 francs le litre m'empêche de continuer à m'approvisionner au bord des voies. En station, ça coûte 545 francs et c'est mieux. Station, c'est à 545 francs, non ? Le carburant qui est considéré comme un produit fleuraté n'est pas un truc à conseiller. Aujourd'hui, le prix a monté. Pour moi, ce n'est pas une mauvaise chose. Ça devrait normalement encourager la population à aller vers les stations, c'est tout. Au dire des responsables et vendeurs d'essence approchés, la hausse du prix de ce carburant n'est pas à imputer aux vendeurs. Le problème serait dû à un dysfonctionnement à la source d'approvisionnement. Le prix de l'essence a augmenté parce que ça a augmenté au Nigeria. Les gens préfèrent aller à la station que de payer chez nous. Il y a de méventes avec nous, on ne vend plus. Si le Nigeria ne commençait pas à avoir de problème, automatiquement ça agit sur nous ici. Parce que dans ce domaine, le Béninois, le Bénin dépend du Nigeria. Ce qui a fait qu'il y a une légère augmentation du prix au bord des voies. Mais pour des situations pareilles, ça ne dure pas au Nigeria. Parce que la population nigériane aussi vit de ça. Donc d'ici une semaine ou plus, vous allez constater que ça va diminuer. Mais en attendant le dénouement de la situation, vendeurs et clients du Payor continuent de souffrir le martyre. Voilà, c'était donc le point de l'actualité, mesdames et messieurs. Si vous venez de vous asseoir devant votre poste téléviseur ou si vous venez de vous connecter à notre site www.canal3television.com, sachez que vous êtes à votre rendez-vous de tous les dimanches. C'est le grand format sur Canal 3 à Bénin. Après, le journal place maintenant au plateau invité. Premier sujet avec le premier invité, on parle de l'exposition des trésors royaux qui se déroule en ce moment même à la présidence de la République. L'entretien, c'est juste après la pub. Chers clients, partenaires et abonnés du groupe de presse Fraternité, pour toute commande et information relative à nos produits et prestations à Fraternité FM, Fraternité, Canal 3 Télévision, appelez les numéros suivants aux heures et aux jours ouvrés. 95 74 29 23, 95 74 29 25, 97 77 33 02. 96 61 13 30 69 17 99 99 69 23 55 55 61 62 12 02 WhatsApp email canal3benin@yahoo.com info@canal3television.com fraternitefm@yahoo.com fraternews@yahoo.com. Oser, croire, célébrer. Vous l'espériez, il est enfin là. Envie de gagner des millions, va sur onesbet.bj pour créer ton compte. Fais ton dépôt via MTN Mobile Money ou Move Money. Place tes paris pour te faire plein de gains. Onesbet, les paris pour tous les goûts. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 est sur le www.canal3television.com. Vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Votre nouvelle série Canal Plus Original. On peut pas continuer comme ça.
Notre argent est fini. Le bonheur, il fallait le chercher. Le chercher où? Là où il y a l'argent. Il y a peut-être une solution. Partir en Europe. J'ai deux places pour le prochain cas. 3 millions. Faites attention, mon garçon. C'est un voyage très dangereux. Là-bas, c'est les Dorado. Silence! Nous sommes en enfer, Ibra. T'inquiète, on va s'en sortir. Votre nouvelle série Canal Plus Original, de plus en plus loin, lundi 28 février, seulement sur Canal Plus Première. Les deux premiers épisodes de votre nouvelle série Canal Plus Original, de plus en plus loin, accessible à tous les détenteurs d'un décodeur. Du 20 février au 22 mai 2022, la présidence vous ouvre ses portes pour une immersion publique et gratuite dans plus de 3 siècles d'histoire de l'art du Bénin. Venez découvrir les trésors royaux restitués par la France tout en vous plongeant dans la création contemporaine des artistes du Bénin et de sa diaspora. L'art du Bénin d'hier et d'aujourd'hui se révèle à vous tous les jeudis au vendredi de 15h à 18h30 et samedi dimanche de 10h à 18h30. Renseignements www.expoartbenin.bj et réseaux sociaux. Palais de la Marina qui a fait donc peau neuve il y a quelques mois, suscitait déjà donc la curiosité avec son nouveau goût, donc son nouveau look au goût donc du président Patrice Talon. Aujourd'hui, la présidence de la République prend l'allure d'un musée comme celui du Quai Branly de Paris où étaient donc logés les 26 trésors royaux restitués au Bénin. L'exposition est en cours donc pour 3 mois au Palais de la Marina. Le grand format évoque la portée et l'impact donc de cette initiative sur donc le tourisme au Bénin. On en parle avec un homme bien averti donc des questions du tourisme, docteur Joël Akalogou. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau du Grand Format. Avec plaisir, merci. Je le disais, vous êtes un homme très donc averti sur les questions du tourisme au Bénin. Merci quand même pour le compliment. D'accord. Alors, je disais que l'exposition va démarrer, sinon est en cours en ce moment, donc au niveau donc à la présidence de la République. Cette exposition avec cette envergure, en principe, comment le Bénois devrait vivre l'événement? En fait, c'est un événement majeur pour notre pays. Et c'est d'ailleurs, cette exposition est la première pour le peuple béninois. Et ces œuvres d'art, il faut comprendre le sens réel de ces œuvres d'art. Ces œuvres d'art font partie aujourd'hui. L'exposition-là, normalement, peut donner de la valeur à la touristification des œuvres de nos musées au Bénin. Et non seulement, j'ai constaté que l'exposition, normalement, peut renforcer la désirabilité des touristes pour l'offre touristique du Bénin. Et c'est très capital et très important de le notifier parce que ça crée une image de destination pour notre pays. Très bien. Et voilà. Alors, le thème de l'exposition, c'est art du Bénin d'hier, aujourd'hui, de la restitution à la révélation. Qu'est-ce qu'on peut comprendre donc à travers ce thème? Non, cette révélation, en fait, il faut comprendre aussi à travers tes œuvres d'art. Mm-hmm. En dehors de ce que mon cher ami, le professeur Mokouena Makiba a signifié, ces œuvres-là relèvent de 3 éléments fondamentaux. Il y a d'abord la nature, l'homme et le divin. Donc, les 26 œuvres d'art, vous allez les voir, comparativement à l'art contemporain qui est exposé, ces œuvres d'art relèvent de ces 3 dimensions. Il y a d'abord la nature, c'est-à-dire des éléments puisés dans la nature qui ont servi à la fabrication, à la phase de ces œuvres. L'homme qui est au cœur de la fabrication, que sont nos aïeuls, et enfin, le divin que cela incarne, le sacré. Aujourd'hui, nous ne sommes plus à l'aide du sacré, parce que nous ne sommes plus à l'aide de la royauté, mais malgré ça, il faut comprendre quand même que la notion du patrimoine que ces œuvres intègrent aujourd'hui donne simplement un visage de sacré. Donc, c'est très capital, et d'ailleurs, vous allez constater au niveau de ces œuvres d'art que ça part. Ça relève des 4 dimensions, de la valeur esthétique, la valeur cognitive, la valeur culturelle, esthétique de ces œuvres. Mais ce que le Bénin peut tirer réellement de ces œuvres d'art, c'est la valeur socio-culturelle et socio-économique
qui est capitale pour notre pays. Et cette valeur socio-économique révèle en fait ce que nous appelons aussi la touristification. C'est des produits culturels, mais une fois les exposer dans ce sens et les déplacer vers le musée de Ouida et celui d'Abomey après, va donner une autre valeur de tourisme. Ça devient progressivement produit culturel vers un produit touristique. Et c'est capital, il faut comprendre cela. Et d'ailleurs, il faut aller dans le même sens que le gouvernement, qui joue sur la prospective touristique de notre pays. Il faut voir l'effet que cela va générer dans 5 ans, 10 ans, dans 20 ans après. Tant qu'on ne va pas s'approprier de cette notion de prospective, nous n'allons pas comprendre réellement l'acte qui est en train d'être posé au niveau de la, du palais de la Marina. Justement, l'acte posé au palais de la Marina à la présidence de la République, est-ce que c'est un symbole ou peut-être une récupération, on va dire? Pas du tout, c'est un symbole. C'est un symbole parce que d'abord le palais de la Marina, la maison du peuple au sein de la République, où le chef de l'État, même je l'ai suivi avec fierté hier, a pas émotion, je serai à sa place où j'allais faire plus, a démontré à toute la nation béninoise que cela ne provient plus seulement, n'est plus simplement l'affaire des fonds d'Abomey, mais c'est la peur de la République. C'est le symbolisme que cela incarne provient d'abord de cet acte, de cette exposition-là, au sein de la présidence de la République. Le rendez-vous va durer trois mois. En quoi est-ce que cela peut booster le tourisme au Bénin? Ah oui, tout dépend alors de la démarche, comme je le parlais tantôt. Au niveau de la science du tourisme, il faut aller vers une démarche méthodologique. D'abord, nous irons identifier quels sont les acteurs qui font la promotion du tourisme béninois, de l'offre du Bénin, touristique du Bénin. D'abord, les tours opérateurs généralistes comme spécialistes. Il faut aller les voir et pour que tout le monde puisse tenir le même langage de la vente de destination. Après, il faut maintenant tenir compte maintenant de spécifier, aller voir, toucher du bout des doigts quels sont les types de touristes qui arrivent dans notre pays et maîtriser leur motivation avant de vendre maintenant ce produit touristique. Troisième chose, il faut quand même sensibiliser et former les agents de voyage avant de venir descendre maintenant sur le guidage touristique de notre pays. Tout le monde devait normalement avoir le même langage, comme les Français l'avaient fait pendant près de 130 ans, avant qu'on ne les récupère. C'est capital. Sans ça, si les tours opérateurs proposent autre chose aux touristes, les touristes viennent, les agences de voyage ne savent pas, ils proposent autre chose, et si on remarque une décadence à ce niveau-là, nous n'allons pas bénéficier des services liés aux facteurs socio-économiques de ces œuvres-là. Très bien. Un Bénois, un citoyen Bénois qui quitte par exemple Abomey, Parakou, Odjougou, donc pour se rendre donc, au palais de la Marina pour visiter ces œuvres, qu'est-ce qu'il peut gagner concrètement? Non, d'ailleurs, vous le replongez dans l'histoire de notre pays, où on sent aujourd'hui que l'histoire de ce pays est presque en berne à partir du système éducatif de notre pays. L'exposition, là, ce vernissage, normalement, devait replonger chacun de nous dans l'histoire profonde de notre pays. Il faut qu'on aille vers... ça va nous permettre de faire un recadrage psychologique, historique, pour mieux permettre à chaque Béninois de s'identifier à partir de son œuvre d'art. C'est capital. Et c'est important. C'est ce métage, normalement, qu'on devait faire. Et c'est... Vous allez voir le... Il n'y a pas tellement de déphasage, mais avec l'art contemporain que j'ai constaté au niveau de la Marina, au cours de l'exposition, oui, par rapport aux 26 jours d'art, le gouvernement doit aussi opérer une politique de refondation pour envoyer nos artistes vers la réécriture de l'histoire à travers leurs œuvres. Il ne faut pas qu'on modernise trop l'art, parce que tant que l'art ne va pas refléter la culture du pays, parce que la culture provient de l'histoire, tant que l'art ne va pas refléter l'histoire, la culture de notre pays, nous ne pouvons pas avoir une force absolue en matière du tourisme. Parce que le fondement du tourisme, d'abord, c'est culturel. Et la culture provenant de l'histoire, ça veut dire que tout individu doit être en permanence reconnaissance
en lien avec l'histoire de son pays. Alors, est-ce que vous avez l'impression que le Bénin a cette passion donc, des œuvres d'art? Ah oui, bien sûr. Mais tout dépend de la manière dont nous les abordons. C'est pour ça que je parlais de la démarche. Si vous me contrôlez bien, oui. c'est cette démarche-là. Il faut que, au-delà, parce que la diplomatie culturelle a joué son rôle, je dis félicitations à tous ceux qui ont participé à cette exposition, depuis l'euro, par partie du chef de l'État, jusqu'au Béninois Landa, qui a su quand même donner un plus à ce qui se fait là, au niveau de la présidence. Mais nous devons normalement garder à l'idée où le gouvernement, le ministère de la Culture et du Tourisme aujourd'hui, doit pouvoir jouer sur la carte de la recadrage psychologique, culturel de notre pays. En quoi faisant? Ah oui, ben, la politique est telle qu'il faut revoir la manière dont nous abordons le concept du tourisme au Bénin. Le tourisme doit intégrer le champ éducatif approprié. Il faut que nous donnions la chance à nos enfants, à nos scolaires, jusqu'au niveau universitaire, de mieux comprendre ce que c'est que le tourisme. Parce que là, ça nous échappe. Parce qu'au départ, le Béninois, si nous questionnons l'histoire de ce pays, le Béninois n'était pas en fait fait pour être un acteur touristique. Parce que notre pays était un pays de transit. Du moment où le colonisateur ne nous avait pas donné cette chance-là, de jouer sur notre culture pour aller vers la touristification de nos objets, ça pose un véritable problème pour nous. Parce que nous n'avons pas l'habitude le tourisme interne n'est pas développé. Pour le moment, nous sommes en train d'agir sur le tourisme externe. Mais du moment où nous voulons, il faut partir d'abord du tourisme interne avant d'aborder le champ du tourisme externe. Et c'est capital. Et tous les pays aujourd'hui au monde sont en train de revoir cette cartographie-là pour mieux inciter les citoyens internes à s'approprier de leur culture et de leur histoire. Et comment se porte le tourisme interne justement aujourd'hui? Le tourisme interne est presque en berne au Bénin parce que nous n'avons pas encore la base pyramidale touristique de notre pays n'est pas encore solide. À quel niveau ça marche pas? Au niveau de toutes les communes. Je suis heureux de suivre mon cher ami Franck Ogou, docteur Ogou, oui. De parler de l'inventaire de ce pays. Du patrimoine du pays. C'est déjà un pas. Mais il faut partir déjà de cet inventaire-là et procéder à l'analyse de tout ce que nous avons récupéré et sortir maintenant des ressources touristiques pour mieux encadrer désormais les communes de notre pays. Parce qu'il faut créer une intercommunalité au niveau de chaque attrait touristique, de chaque potentialité touristique de notre pays pour mieux valoriser nos communes. Parce que nos communes ne sont pas en phase avec ce qui se passe au niveau du gouvernement. Seulement, vous allez voir, la seule commune aujourd'hui qui est mieux ancrée aujourd'hui dans le concept du tourisme, c'est Ouida. Mais le Bénin regorge trop de potentialités culturelles et naturelles. Il faut analyser ces potentialités culturelles et naturelles et mieux dégager désormais ce que nous pouvons avoir comme un produit touristique phare. Parce que nous ne pouvons pas rester simplement sur les quatre produits touristiques que nous avons au Bénin. Comme le Ouida, qui part avec le tourisme le tourisme mémoriel, ou Granvier qui part avec l'écotourisme, Ouida et Abomey qui est avec le tourisme culturel lié au palais royal, et le parc Pandari avec le tourisme synergétique. Il faut réorganiser tout ça. Il faut réorganiser parce que le gouvernement est en train de donner de la valeur à ces produits touristiques aujourd'hui, en train de les renforcer, mais le désir réel qu'on devait avoir, c'est de prendre chaque commune aujourd'hui et voir le potentiel fort de chaque commune pour mieux les intégrer au sein maintenant de leur département, pour créer maintenant une sorte d'intercommunalité et nous aurons peut-être un circuit touristique viable permettant à nos agents de voyage de mieux vendre désormais la destination Bénin. Mais c'est tout un processus. Il faut normalement être en phase avec la démarche méthodologique liée à la tourismologie pour mieux comprendre cela et désormais vendre la destination Bénin. Alors, à la séance de vernissage hier, nous avons vu l'ancien président de CFOR, Dieudonné Soglo. Est-ce que c'est une cause commune finalement? Ah ben bien sûr, c'est la cause commune. Et là, il ne s'agit pas... Le tourisme, le premier blocage lié au tourisme, c'est l'ethnicité. L'ethnicisme n'a pas droit de citer dans le tourisme. Le tourisme crée
L'épanouissement crée le loisir, crée ce que j'appelle la libre circulation. Ça, on ne saurait encore prendre, jouer sur la carte politique pour dire, bon, cela ne fait pas l'objet, l'intérêt de tout un peuple béninois. Ce n'est pas possible. Là, je dis bravo au Premier ministre Zinsou qui acceptait fouler le sol béninois, au président Soglo, et dit un grand merci au président Talon, comme je l'ai dit. C'est un prospectiviste. Chaque acte qu'il pose, il faut que les Béninois puissent comprendre que ce n'est pas pour l'instant, mais peut-être dans 10 ans, dans 20 ans, qu'on finira par comprendre l'acte qu'il pose. C'est capital. Voilà. On ne saurait quand même miser sur la politique pour développer le tourisme. Non, ce n'est pas possible. Parce que le blocage pour le développement touristique d'un pays, c'est l'ethnicité, c'est la politique, ça ne marche pas. Parce que le tourisme en lui-même est déjà une politique. D'où c'est la première industrie mondiale aujourd'hui depuis le XXe siècle. Très bien. Merci beaucoup à vous, M. Joël Akalogon, docteur en tourisme. Merci. C'est beaucoup. Moi qui vous remercie. On aura le temps de revenir sur tous. Bonne journée à vous. Merci, et à vous pareillement. Oui. Voilà, mesdames et messieurs, nous allons observer une pause donc, pour suivre la revue de presse hebdomadaire. Et juste après, place au décryptage de l'actualité nationale. C'est avec l'invité média Stéphane Ahirosu, est le rédacteur en chef du quotidien L'Autre Vision. On l'installe. Du 20 février au 22 mai 2022, la présidence vous ouvre ses portes pour une immersion publique et gratuite dans plus de 3 siècles d'histoire de l'art du Bénin. Venez découvrir les trésors royaux restitués par la France tout en vous plongeant dans la création contemporaine des artistes du Bénin et de sa diaspora. L'art du Bénin d'hier et d'aujourd'hui se révèle à vous tous les jeudis au vendredi de 15h à 18h30 et samedi dimanche de 10h à 18h30. Renseignements www.expoartbenin.bj et réseaux sociaux. Bonjour à toutes et à tous. Actualité riche et variée cette semaine au Bénin. D'abord, justice et des scandales domaniaux qui amènent 3 anciens maires de la commune d'Abomey-Calavi en prison. Dans sa parution de mardi, le quotidien Fraternité placarde les photos de ces personnalités et parle de tristes records de la mafia foncière battue à Abomey-Calavi. Un constat qui, poursuit le journal, ternit l'image de marque de cette ville à statut particulier et la plus peuplée du Bénin. Depuis l'avènement de la décentralisation, elle a enregistré une série de scandales domaniaux, notamment sous le régime Yayi. Résultat, plus d'une trentaine d'autorités sont poursuivies devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme et le tribunal de première instance de deuxième classe d'Abomey-Calavi pour cession et acquisition illégale de parcelles. Et pour finir avec ces crimes, l'actuel régime a entrepris une réforme structurelle dans le secteur de la décentralisation pour séparer les fonctions politiques de celles techniques. Et la sélection des candidats au fichier national des principales fonctions administratives et techniques des mairies a commencé, renseignent les journaux. Mes confrères précisent qu'au total, 1002 candidats sont sur la ligne de départ pour faire partie des organes exigés par le nouveau code sur la décentralisation au Bénin. Le quotidien Fraternité, par exemple, publie dans ses colonnes la liste de ces candidats. Pour cette sélection, le président de la Commission nationale de mise en œuvre de cette réforme, Claude Olympio, déclare à la une du journal que tout se déroule en toute transparence. Le quotidien matinal ajoute que les 1002 candidats présélectionnés planchent depuis hier samedi 29 février pour l'obtention du sésame d'entrée dans ce fichier. La publication rappelle que tous les nouveaux organes attendus dans le fonctionnement des mairies devraient être installés au plus tard le 1er avril 2022. Mais déjà, les maires n'ont plus de compte à rendre au préfet, du moins si l'on s'en tient aux dispositions du nouveau code de l'administration territoriale au Bénin.
Ce code change les relations entre maire et préfet, informent les journaux. Même si le préfet reste le premier responsable de son département, renseigne Fraternité, il n'a plus une autorité directe sur le maire. Cette autorité est passée au juge administratif, ajoute mon confrère. Tout comme Fraternité, le matinal aussi annonce les dispositions de ce nouveau code de l'administration territoriale. Le journal ajoute qu'il y a aussi de nouvelles relations entre le préfet et les entités déconcentrées. Ces relations qui étaient jadis hiérarchiques sont désormais fonctionnelles, rapporte la publication selon laquelle ces services déconcentrés sont désormais sous la hiérarchie de leurs ministres respectifs. Même si le préfet reste le dépositaire du pouvoir de l'État au niveau départemental, il n'est plus dans une relation hiérarchique avec les responsables des structures déconcentrées, confirme le quotidien L'Informateur. Chacun évolue désormais dans son couloir bien tracé par le nouveau code de l'administration territoriale, commente le quotidien Fraternité, qui espère que ces nouvelles dispositions vont améliorer la gouvernance locale et contribuer au mieux-être des populations à la base. Il est aussi question dans la presse cette semaine de la sécurité face au grand banditisme, le Bénin sort ses griffes. Le pays vient de décider de la mise en place des systèmes de vidéoprotection et l'information occupe les colonnes des journaux cette semaine. Lutte contre le grand banditisme, le Bénin prend l'option de la vidéosurveillance, titre le quotidien L'Informateur. Le journal La Boussole en fait ça deux de une et nous apprend que c'est une plateforme à travers laquelle le Bénin fera la prévention, la recherche, la constatation ou la poursuite des infractions pénales, l'exécution des condamnations, etc. Le Bénin autorise ainsi une modernité technologique contre la grande insécurité, écrit l'autre quotidien dans sa livraison de jeudi. Pour le quotidien Fraternité, c'est une solution innovante pour la sécurité des personnes et des biens. Le même sujet fait la manchette du journal L'Autre Vision. Et pour mon confrère, le régime Talon optimise la lutte contre le grand banditisme. Le système de sécurité publique est désormais renforcé, ajoute la publication. Dans la suite cette semaine, le quotidien Fraternité nous ouvre les portes de la Bourse du Travail et fait observer que l'action syndicale est encore plombée par la division. Mon confrère s'appuie surtout sur le sit-in de protestation organisé vendredi contre la cherté de la vie au Bénin. À 24 heures de ce mouvement d'humeur, les responsables des centrales et confédérations syndicales sont encore à couteau tiré. Plus loin, la centrale des syndicats des travailleurs du Bénin, CSTB, se désolidarise du groupe et initie une manifestation similaire pour le 25 février prochain, informe le Canard de Ménantin. Si tant est que le but poursuivi est le même, pourquoi ne pas aller tous dans la même direction, s'interroge la publication. En tout cas, par ces temps où l'action syndicale n'est pas totalement épanouie, le journal conseille aux leaders syndicaux de parler d'une même voix car l'union des forces est la meilleure option. En politique, l'identité du directeur général des élections se fait toujours désirer, croit savoir le quotidien matinal. À moins d'un an des législatives, le DGE toujours inconnu, pointe le journal. Pour un recrutement lancé depuis novembre 2021, mon confrère se désole qu'on ne soit pas encore au bout du tunnel. Cette situation alimente la polémique, fait observer le matinal, qui souligne le rôle sensible que ces organes sont appelés à jouer dans le processus électoral. Surtout que leur premier test reste les législatives 2023. Le quotidien L'Informateur, lui, s'intéresse au système éducatif béninois et publie le calendrier des examens et concours scolaires et universitaires et tests de recrutement pour le compte de cette année 2022. Selon mon confrère, les épreuves du certificat d'études primaires se dérouleront du 7 au 10 juin 2022. Le brevet d'études du premier cycle est fixé au 13 juin, alors que les épreuves écrites du baccalauréat se dérouleront du 20 au 23 juin 2022. Un calendrier qui précise le journal est rendu public cette semaine par arrêté interministériel. Une nouvelle moins gaie pour mettre un terme à ce tour d'horizon de l'actualité. Il s'agit du décès de la chanteuse Vivi l'Internationale. Cette icône de la musique béninoise, célébrée de par ses chansons en faveur de la paix, s'est éteinte en milieu de semaine à Porto Novo, renseigne les journaux. Et mes confrères précisent qu'elle est décédée dans son sommeil. De son vrai nom, Victorine Agbato, Vivi l'Internationale a toujours apporté sa caution aux initiatives de promotion de la paix, rappelle le quotidien Fraternité, qui ajoute qu'elle a contribué par sa discographie à l'avènement d'un mode de tolérance où la fraternité et la paix seront les vertus partagées par tous. Décès de l'artiste Vivi l'Internationale, conclut le quotidien matinal en bas de une rossignole de la paix s'est éteinte. Le journal publie une série de témoignages
sur l'illustre disparu. Et c'est l'essentiel à retenir cette semaine de l'actualité, vue et commentée par les journaux. Merci de m'avoir suivi et à la semaine prochaine. Voilà, c'était à l'instant la revue de presse hebdomadaire signée Nassis Alossek que nous aurons retrouvé donc dimanche prochain avec d'autres informations. En plateau pour le tour d'horizon de l'actualité nationale, Stéphane Arinou-Rossou, bonjour. Bonjour, vous êtes le rédacteur en chef du quotidien L'Autre Vision. Merci d'être là. Merci, c'est un plaisir partagé. Alors, le président Patrice Talon et l'ancien Premier ministre Lionel Zissou abordent d'un même avion pour destination Cotonou. C'est l'actualité qui domine donc ces dernières 48 heures. Quelle lecture faites-vous donc de cette information? Comme tous Béninois, il y a l'effet surprise. De voir le chef de l'État actuel avec son ancien challenger aux élections de 2016, les voir ensemble, surtout avec les conflits judiciaires qu'avait eu M. Lionel Zissou. On s'est dit, il y a eu l'effet surprise. Et puis après, on s'est dit que c'est heureux de les voir ensemble. Ça donne l'image de ce que, au-delà des conflits politiques, au-delà des divergences politiques, au-delà des divergences d'opinion, on peut toujours partager d'autres valeurs ensemble. Donc moi, j'ai tout simplement salué cette démarche du chef de l'État et surtout cette posture de Lionel Zissou. Bon, finalement, on se demande, est-ce qu'il y avait vraiment de bruit entre les deux? Pour ma part, il n'y a pas vraiment de bruit parce que quand on va à des échéances politiques ou à des joutes électorales, c'est qu'on a des idées qu'on défend. Maintenant, quand l'autre l'emporte, l'un l'emporte sur l'autre, on passe maintenant au fair play. Donc, il n'y avait pas de divergence en tant que telle. Il y avait de divergence d'opinion dans le domaine politique tout court. Sinon, il n'y avait pas quand même matière à s'inquiéter. Et ils ont d'ailleurs donné la preuve par cette attitude-là, de les voir ensemble. Il n'y a pas de problème, en fait. Alors, Lionel Zissou est sous le coup de la condamnation, vous le savez très bien. Oui. Mais politiquement, est-ce qu'on peut s'attendre à quelque chose dans les jours ou dans les années ou les mois à venir entre Talon et Zissou? Bon, moi, je fais l'analyse sous deux volets. Le fait de voir Talon et Zissou ensemble donne déjà des signes avant-coureurs que ces politiciens qui ont des démêlés judiciaires ou qui ont des conflits politiques avec le chef de l'État actuel, on leur donne déjà la possibilité de dire, bon, au-delà de ces clivages, vous pouvez revenir au bercail. Si Zissou l'a fait avec Talon, c'est que Adjavan peut le faire, c'est que les autres aussi peuvent un jour, à bord d'un avion, revenir. À leur propre initiative. Alors, donc, ceci donne la preuve qu'ils peuvent venir. Ils peuvent venir. Zissou est là, il n'est pas inquiété. Il est allé à la présidence de la République. Même si judiciairement, ce n'est pas le même contexte. Mais c'est déjà heureux de les voir et de dire que ceux qui sont à l'extérieur, ils peuvent revenir au pays. Il n'y a pas enjeu. Ils peuvent venir pour le développement de notre cher pays. Autre sujet avec vous, Stéphane, comme annoncé à grand renfort médiatique, la CSA Bénin a tenu son meeting donc vendredi dernier à la Bourse du Travail à Cotonou. Avant de rentrer dans les détails, quelle lecture faites-vous de cette démarche? C'est déjà heureux. C'est déjà heureux de les voir sortir parce que c'est comme si depuis un certain temps, ils se sont repliés comme les militaires dans leur casette. Il y a longtemps qu'on a vu les syndicalistes faire ces mouvements, ces sittings, et donc de les voir sortir montre que le mouvement syndical existe bel et bien au Bénin. Les voir rassure les travailleurs que les confédérations syndicales, les centrales syndicales sont là pour défendre leurs intérêts. Moi, je vois que ce mouvement est venu comme pour doper le moral aux travailleurs
qui, d'une manière ou d'une autre, se sont sentis dans une certaine période abandonnés ou délaissés par les confédérations syndicales. Donc c'est juste venu pour raviver la flamme du mouvement syndical au Bénin. Alors quand on sait que le gouvernement n'est pas resté insensible face à la situation, quand on parle de fierté de la vie, on se demande est-ce que ce meeting était opportun? Oui, c'est opportun. Pour ma part, c'est opportun. Tout dépend de l'angle sous lequel on veut voir la chose. Mm-hmm. Parce que, vous voyez, le contexte économique aujourd'hui est un peu morose. Et il y a la flambée des prix. La vie est chère. Il y a l'imposition aussi qui pose problème ou qui est décriée de part et d'autre. Donc, dans cet environnement où les travailleurs ont vu... On a fait une promesse aux travailleurs pour dire on va relever leur salaire, on va revaloriser leur salaire. Et dans le même temps, il y a certains travailleurs qui ont connu des abattements ou qui ont vu leur salaire diminuer un peu au cours du mois passé. Quand c'est comme ça, les confédérations ont le devoir d'attirer l'attention des gouvernants sur le fait qu'il y a quelque chose, qui ne va pas. Donc, de ce point de vue, ce mouvement est opportun. Maintenant, on pourrait se demander si, entre-temps, la démarche a été menée envers le gouvernement pour dialoguer. Avant de lancer et ces genres d'initiatives. Alors, depuis quelques années, il y a des situations sur lesquelles ces centrales et confédérations syndicales étaient attendues donc, pour réagir ou bien pour manifester donc, de cette façon la révision de la Constitution, donc, la limitation même des droits de grève, la légalisation donc, de l'avortement, des questions sur lesquelles les secrétaires généraux des centrales et confédérations syndicales sont restés silencieux. Aujourd'hui, on se dit, fierté de la vie, certes, mais la situation n'est pas imputable au président Patrice Talon. Oui, la situation n'est pas imputable au président Patrice Talon. Ce n'est pas imputable non plus à son gouvernement. C'est une situation qui prévaut à l'échelle internationale. Et moi, je pense que c'est là où les syndicalistes ou les responsables des confédérations syndicales n'ont pas joué à la sagesse. Parce que, comme je le disais tantôt, il y a eu des sujets brûlants sur lesquels on aurait bien voulu les voir sortir, réagir. Et silence radio, il n'y a rien eu. Comme si on pouvait donner raison à ceux qui parlaient de complicité ou que les confédérations étaient devenues la caisse à résonance du gouvernement. Voilà. Maintenant, pour un sujet comme celui de la fierté de la vie, s'il monte au créneau, moi je pense que c'est juste pour se rattraper. Ils veulent se rattraper parce qu'ils ont les travailleurs au dos. Le travailleur, quand il touche à son salaire, il devient autre chose. Donc, ils ont touché à leur salaire, ils se sont manifestés. Donc, c'est pour ne pas rester insensible à ce cri de cœur ou d'alarme des travailleurs que les confédérations ont décidé de sortir de leur tanière. Et ils doivent savoir que rester silencieux les rend coupables. Et manifester, organiser le meeting pour contenter la base. Non, bon, pour contenter la base, non, mais pour calmer les ardeurs. Mm-hmm. Pour calmer les ardeurs. Parce que si les confédérations réagissent ainsi, ça peut dissiper les ardeurs, éviter les débordements, éviter les plaintes, etc. Donc, ça va les calmer un peu. Maintenant, l'autre chose, c'est que le gouvernement... Vous savez, quand vous avez un enfant à qui vous dites tout le temps « va m'acheter » et il le fait, et qu'un jour vous lui dites « va m'acheter » et qu'il dit « bon, il prend l'argent d'une certaine façon, c'est que quelque chose ne va pas. Il faut l'appeler et l'écouter. Si tu ne l'écoutes pas, c'est qu'il va te revenir, il va revenir et dire qu'il a perdu l'argent. » Donc, moi je pense que le gouvernement doit plus écouter les confédérations syndicales. D'accord. Et il doit mettre en place un cadre de dialogue franc et sincère pour que des problèmes comme ça soient réglés afin qu'on évite ces gens de mouvements qui, d'une manière ou d'une autre, n'ont pas forcément le gouvernement. Alors, dernier sujet avec vous, très rapidement, le gouvernement qui décide de rendre hommage aux soldats tués par des terroristes donc, dans le nord du pays. La cérémonie a commencé depuis jeudi dernier, je crois. Alors, comment appréciez-vous l'initiative? C'est une très, très, très bonne initiative parce que ne pas le faire, le gouvernement aurait
aurait péché. Le gouvernement aurait péché en se refusant de le faire. Et c'était déjà attendu. Et cela vient quand même renforcer le moral de ces familles qui ont perdu leurs enfants. Donc il faut féliciter le gouvernement et l'inviter à poursuivre dans cette même dynamique, que ce ne soit pas de simples hommages, que ce ne soit pas de belles paroles. D'accord, mais que le gouvernement donc promet de prendre en charge les enfants des soldats tués. Oui, que ce ne soit pas, que cela ne reste pas seulement à l'étape de promesse, mais que ces enfants de ceux qui sont morts au nom de la patrie soient réellement et prise en charge par le gouvernement pour que nous n'assistions pas à d'autres plaintes. D'accord. Un peu plus tard. Juste après vous, c'est Fatih qui va prendre votre place par ici. Est-ce que vous avez un message, Wael? Oui, je la vois souvent, je l'écoute. Je veux dire, j'écoute ce qu'elle fait. Je veux juste l'inviter à poursuivre dans cette même dynamique. Nous avons besoin de ces jeunes aujourd'hui pour donner une nouvelle visibilité à la musique béninoise à l'échelle internationale, comme notre diva Angélique Kidjo. Stéphane Arinou-Rosso, rédacteur en chef du quotidien L'Autre Vision, merci. On se retrouve très très prochainement. Merci. Et bon dimanche. Merci bien. Mesdames et messieurs, voici l'artiste de la semaine. LBM, notre passion vous transporte. Attention, attention, la COVID-19 continue de sévir. Pour vous protéger et protéger les autres, vaccinez-vous. Vous êtes âgé de 18 ans et plus, vous pouvez recevoir les doses des vaccins contre la COVID-19. Vous avez 12 ans et plus, le vaccin Pfizer peut vous être administré. Alors faites le geste qui sauve. Rendez-vous dans les postes de vaccination implantés dans les formations sanitaires de votre arrondissement et de votre commune ou appelez le 136 pour tout renseignement. Les vaccins contre la COVID-19 sont sûrs, efficaces et gratuits. Pour tout savoir sur l'épidémie de coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Moi comme tu sais le faire, t'es mon plus bel habit, mon meilleur ami, Ananou Jérémy, nous m'avons. Être avec toi tout le temps chéri, c'est la raison de mes sourires, ne plus jamais m'en défaire, c'est pour le meilleur. Jamais m'en défaire, c'est pour le meilleur. M'en fais mon yédé, gloire ou à tu mets. Bonhomme des terres, ouais, cassement. M'en fais mon nom qui couture et binou. Allô, la lomé, ni mon fait. M'en fais mon yédé, gloire ou à tu mets. Bonhomme des terres, ouais, cassement. M'en fais mon nom qui couture et binou. Mon inoché, ma happiness. Sur laquelle je veux m'asseoir, c'est mon plus beau cadeau et ma meilleure mélodie. Ananou Jérémy, nous m'avons. Être avec toi tout le temps, chéri, c'est la raison de mes sourires. Ne plus jamais m'en défaire, c'est pour le meilleur. Oh, dans le temps, chéri. Elle est là sur le plateau du grand format de ce dimanche. Fatih, bonjour, bonne arrivée. Merci, bonjour monsieur Idriss. Ça fait plaisir de vous avoir avec nous. Comment vous allez?
Le plaisir est partagé, je vais super bien. J'espère que vous aussi. Très bien. Et bonjour à tous les téléspectateurs. D'accord. Alors, la passion pour ce métier dont vous êtes fier aujourd'hui, elle est en 1999. On va dire ça comme ça. Que vous inspire le groupe Makoma? Oh, c'est un levier. C'est un levier. Le groupe Makoma, à travers Nathalie Makoma, leur lead vocal, m'a donné envie de dire quelque chose que je n'arrivais pas à sortir. D'accord, je ne comprenais pas forcément le Lingala, mais j'avais envie de l'interpréter à cause de sa magnifique voix. Et après, quand je cherche les textes, je me rends compte que ce sont des textes qui parlent du quotidien de l'être humain. Donc voilà, comme ça, je me suis mise à l'interpréter. Et ça a contribué à ce que je deviens progressivement aujourd'hui. Alors, à l'école hein, comme à l'église, vous essayez de transposer cette passion avec des encouragements de votre entourage. Est-ce que c'était réellement le point de départ? Le point de départ, je ne sais pas, mais c'était pour moi une façon de m'amuser. Mmh. De m'amuser parce que j'étais une personne très introvertie. Je n'arrivais pas à m'exprimer, je ne le faisais qu'en chanson. Quand je suis triste, quand je suis contente, c'est les chants. Et les gens autour de moi voyaient que c'était bien, mais moi, je n'avais aucunement l'intention d'engager une carrière artistique en ce moment-là. C'était pour moi juste une façon de m'exprimer, juste ça. Alors, que représente pour vous Fifi Fender, l'arrangeur, les artistes comme Don Metok, Zainab, Sabouran? C'est avec beaucoup de gratitude. Est-ce qu'ils ont influencé votre carrière quand vous avez commencé? Absolument. Et Fifi Fender très particulièrement, à qui je fais un coucou. Fifi Fender, je parle de lui avec beaucoup, beaucoup de gratitude. C'est Fifi Fender qui m'a permis de collaborer avec tous ces artistes-là, Don Metok, Kinza, Sessimin, Nila, Vifend, Zainab, et j'en passe. C'est grâce à lui que j'ai travaillé mon côté studio en tant que choriste. Et mon histoire ne peut pas s'écrire sans Fifi Fender. Et sans, évidemment, tous ces artistes-là qui ont permis, qui m'ont donné la chance de travailler à leur côté. Alors, quelle a été la contribution de l'Orchestre de la Soubebra dans votre formation? L'Orchestre de la Soubebra m'a permis de... Comment je vais dire ça? De travailler le côté scène. Parce que nous étions sur scène du jeudi, parfois, au dimanche. Sinon du vendredi au dimanche, à travers tout le Bénin. Et c'était un magnifique contact avec ceux qui étaient là. Ça me permettait d'explorer toutes les langues, d'accord, en chanson, et voilà. Alors, vous êtes béninoise, née à San Pedro, en Côte d'Ivoire. En 2005, vous avez décroché votre baccalauréat, série A2. Oui. Alors, est-ce que l'environnement musical ivoirien a agi sur la passion que vous avez pour la musique aujourd'hui? Oh, pour quelqu'un dont le destin s'écrit aujourd'hui de cette façon, je ne peux pas dire que l'environnement musical ivoirien ne m'a pas influencé. Parce que dans les interprétations au lycée et karaoké et autres, j'ai eu à interpréter beaucoup de chansons à l'ivoirienne. Et donc forcément, la Côte d'Ivoire m'a donné un peu de ce que j'ai. Et continue de le faire d'ailleurs. Très bien. En juin 2014, Fatih signe son premier single intitulé Tochi. Oui, Tochi. Quel était le niveau de succès donc, de ce film? Oh, pour moi, j'appelle ça coup de grâce. Oui. C'est vrai que je disais ce que je ressentais. J'interpellais la conscience des Béninois à la sauvegarde de notre paix qui était enfin, et qui continue d'être un exemple dans la sous-région. Et pour moi, je ne m'attendais pas à ce que le Béninois lambda adopte cette chanson. Et donc pour moi, c'est de la grâce. Je suis contente. Une grosse surprise pour oui, vous de beaucoup. Voir. C'est l'occasion d'ailleurs pour moi de remercier Canal 3 Bénin et tout le monde en tout cas. D'accord. Alors dans vos chansons, vous parlez de la vie, les pleurs, le bonheur, l'amour. Pourquoi ce choix? Les pleurs, l'amour, parce que c'est le quotidien de l'être humain. Moi, je suis une femme très amoureuse. Donc c'est normal que je parle d'amour. Et une femme très amoureuse, c'est celle-là qui est très sensible, d'accord, aux douleurs et aux joies des autres. Du coup, je parle des pleurs. Alors, quand vous voyez le bonheur, le sourire des autres, quel retour avez-vous? Au moins, je suis en paix. Quand les autres sont contents, quand les autres sont heureux, je suis en paix. Quand je les vois tristes, j'ai l'impression qu'il y a un goût, comme un manque, voilà, que je dois remplir. C'est peut-être épuisant parfois,
Mais je le fais à cœur joie quand même. D'accord. Au-delà donc de la star qu'on connaît, qui chante bien, qui anime les spectacles, quel type de femme est Fatih? Je suis une femme comme tout le monde. Je suis une femme, je l'ai dit tantôt, je suis une femme très amoureuse, oui. Sévère en famille, d'accord, avec ma fille, avec les personnes qui me sont chères. Je suis un peu dure parce que Fatih à la télé, Fatih sous les projecteurs n'est pas la même que la Fatima qui est à la maison, qui noue le pain et qui est à la cuisine. Donc c'est deux mondes carrément différents. Voilà, c'est l'occasion pour moi de dire merci à ceux qui m'acceptent comme ça, dans mes crises, dans mes folies. Voilà. Alors, qu'est-ce qui différencie Fatih des autres artistes béninois? Je préfère laisser les autres dire leurs différences. Mais le plus que je me connais, c'est que je ne fais pas dans le m'as-tu vu, je ne fais pas dans le paraître, je ne fais pas parce que les autres le font. Je le fais parce que je le sens. Voilà, c'est tout. Alors, qui sont vos amis? On ne va pas tous les citer, mais dans le monde artistique. Et, étant une personne très, très introvertie, j'ai quasiment pas d'amis. Ah oui? J'ai des relations très professionnelles et très humaines avec, avec mes collègues et chanteurs. Mais il y a des personnes pour qui j'ai de l'admiration. Voilà, Vano, le vieux Sagouran, Ramou, la grande sœur Zinab, pour qui j'ai beaucoup d'estime. Voilà, et j'en passe. Je ne fais pas de jaloux, mais c'est des personnes pour qui j'ai de l'admiration, beaucoup d'estime. Très bien. Fatih a combien d'albums aujourd'hui? Je suis à un seul album pour le moment. Je suis en préparation du second album. Le premier album étant intitulé « Toute une vie ». Et le second album, dont on n'a pas encore décidé du titre, est encore à la cuisine, avec certains titres déjà servis à table. Comme pour emprunter votre expression, voilà. Et voilà, Papa Yahweh qui est issu du second album en préparation. Voilà. En dehors de ça, vous avez des projets sans doute? C'est clair. Dans les jours, mois, années à venir. Oui, incessamment, nous allons sortir une chanson, une collaboration avec un artiste dont je tais le nom. Je préfère faire la surprise. La surprise. Voilà. D'accord. En dehors de ça, d'autres projets Des projets de vie personnelle en tant que femme. J'aime faire la cuisine, d'accord? Donc des projets de restauration, j'y suis déjà, mais voilà, j'espère pouvoir grandir dans le temps avec. Qu'est-ce qui fait plaisir souvent à Fatih? Tout me fait plaisir. J'aime pas de particularité, j'aime les moments simples, les moments aussi simples que sympathiques, voilà. J'aime beaucoup manger, j'aime bien quand on me sert un bon plat de crin-crin et de pâtes. Ça me fait sourire. Et voilà, j'aime voir les gens s'amuser. C'est tout, moi, ça. D'accord. Hier, on va parler de cette nouvelle un peu triste, sinon triste. Nous avons perdu la diva. Mm-hmm. Une ville internationale. Oui. C'est avec beaucoup d'amertume que nous avons tous appris le départ de maman. Et que la terre lui soit légère. C'est une dame qui a influencé absolument tout le Bénin, d'accord? Et moi particulièrement, parce que quand elle me voyait, c'est avec frisson que je recevais ses conseils, c'est avec beaucoup de frisson que je recevais, est-ce que je vais dire reproche, mais non, ses suggestions, et je ne sais pas quoi dire, que la terre lui soit légère. Très bien. Oui. Fatih, on ne va pas se quitter dans la tristesse. Mm-hmm. Qu'est-ce que tu nous proposes? Ce que je peux vous proposer aujourd'hui, dimanche, c'est de peut-être fredonner Papa Yahweh. Oui. D'accord. Ça marche. Qui est le single servi déjà à table de l'album en préparation. Tokulomi deriro, Tawaklomi no kiki, Gamenanyo nuyo. Boloni nyo nou nye desu, nka o doa vijidi, nou che bla ou nou e ache. Baba God vitwe, ou akpon nou vosi sa. Allez suivre le reste sur YouTube et certainement sur vos écrans.
C'était donc Fatih sur le plateau du Grand Format. Merci beaucoup à vous. C'est moi qui vous remercie. Très bonne journée. Merci à vous aussi. Mesdames et messieurs, c'est ici que va s'arrêter l'aventure Grand Format de ce dimanche 20 février 2022. Merci à vous qui nous suivez depuis Avranco. Fatih sait de quoi on parle. Avranco, merci à vous qui nous suivez depuis Avranco. Merci de votre fidélité au programme de Canal 3 à Bénin. On se retrouve dimanche prochain pour vous servir avec le même plaisir. Au revoir. Deriro to a plumino kiki kamena nyonu weo bolo nyonu nyede su nka oda bititi nuche blau nwe ache baba god vitwe wakonu vosisa oh yeah anu bolo nu me bi etenanzo bonye tonangolo Don't be menye when I stop my phone. Cause on day one day me not fall.